Ok les gars, nouvelle boutique d'aujourd'hui. Donc la première boutique après l'événement d'hier soir. Enfin, quand je dis hier soir, c'est encore il y a quelques heures encore. Voilà, donc on a des nouveaux sites en boutique. Nous avons le frelon du coup de cuivre. Il est plutôt original comme skin. J'aime beaucoup par contre, c'est sur 5€ à lui. En vrai, ce cadeau, je trouve encore plus stylé que le skin. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce cadeau avec la petite tête de... C'est un puma, non? Il me semble, une sorte de puma. Si je me trompe pas. Enfin, bref, puma ou guépard, peu importe. Vous avez compris, hein, c'est plutôt stylé. En vrai, le skin, il est un peu ninja, mais une sorte de ninja robot. Je crois que c'est un truc, enfin, on dirait un ninja, vous voyez, mais robotisé un petit peu. Mais le sac à dos, par contre, il est badass. Ouais, pour mieux dans les box, ça va. En vrai, le skin, c'est. Puis la couleur du pantalon, il est assez original. Enfin, le bleu là qu'il a. C'est un bleu noir, je sais pas. Il est assez original, donc franchement. Voilà. Ensuite, nous avons le skin féminin. D'ailleurs, je crois que un de mes abonnés, il va sûrement être content. Parce qu'il a dit que ce skin là lui plaisait. Donc, le skin féminin. Donc, qui est une sorte d'écolière robotisée. Aussi, du coup. Parce que c'est quand même le futur. Par contre, j'aime bien ce petit sabre là, espèce de takana. C'est un takana, je crois, non? Ouais, c'est ça. Un petit peu, voilà. Un petit peu japonais. En fait, ça fait penser un petit peu, vous savez, les filles japonaises là, avec leur masque et tout, puis les yeux rouges. C'est plutôt stylé. Pour 1200 V-Bucks, c'est pas trop cher. Donc ça va. Dites-moi ce que vous en pensez des deux nouveaux skins en boutique, du coup. On est bon pour les nouveaux skins. Le petit revêtement mecha toujours disponible. On le connaît, ça fait déjà 3 jours qu'il est en boutique. On va passer rapidement dessus. On va pas rasser 3 ans. Ensuite, nous avons le nounours rose. Quand je dis rose, hein, il est rose, vert, bleu, vous avez compris. Le nounours appelé mecha, le robot qui a détruit, anéanti, explosé, tout ce que vous voulez. Le monstre. Franchement, c'était épique comme événement. Dites-moi, les gars, si vous étiez à l'événement ou si vous avez vu l'événement en live ou en vidéo. Personnellement, moi qui étais en game, faisant en live, que j'ai envie de dire, c'était spectaculairement génial. J'avais rien à dire, c'était génial. C'était le même moment de la journée, j'ai envie de te dire. On avait tous très hâte d'être là, franchement. Donc, franchement, l'événement était super sympa. Il y a Keep It Game qui fait des événements comme ça. Donc, dites-moi si vous étiez là. Et franchement, le combat, il était tellement bien. Donc, vraiment, pas déçu du petit combat. Du coup, voilà, ah là, le petit chef de l'équipe Mecha. À 1600 les bucks avec son sac à dos. Ah, elle est trop stylée, hein. Moi je l'ai acheté l'autre jour, du coup. Il est super stylé. On est bon. La petite pioche, du coup, qui vient de sortir. Du coup, il y a quelques heures, elle est sortie en boutique. Juste après l'événement, c'est l'épée. Du coup, la dague de combo. La dague qui a détruit le monstre de Polar Peak, justement. Le monstre, il a été anéanti grâce à cette épée. Que si vous regardez bien, c'est la tête. Du coup, l'avatar. L'avatar qui était là-bas. Vous savez, la grande statue qui était anéanti Ted. Il a pris, pam, il a embroché le monstre en brochette. Non, en vrai, l'événement était tellement stylé que la pioche, fallait que je la prenne, obligé, les gars. Et en vrai, elle est super bien en game, en plus. La couleur, elle est pétante. Enfin, j'aime beaucoup l'animation de cette pioche. Et en moi, ça rappelle les petits événements qu'on a vus il y a quelques heures. Donc, franchement, juste en V-Bucks, ça va, c'est pas trop cher. Ensuite, nous avons la nouvelle danse, trop facile. Avec une main attachée dans le dos. Là, je vous rappelle que le robot, pour ceux qui étaient là à l'événement, il a combattu, il a perdu un bras dans la guerre. Donc, du coup, il a fait le plot que avec une seule main. Du coup, un seul bras. Après, elle est bien. Et vu que j'avais pas la d'avant, bah, du coup, voilà. Ah là là là, c'est stylé. Ah, on est bon là-dessus. Ouais, on est bon. Le petit retour du coup du skin chauffard à 800 V-Bucks, celui-là on connaît depuis le temps. Nous avons le skin fugitive qui était fait longtemps qu'on n'avait pas vu celle-là, qui était sorti à la saison 4, maintenant il y a plus d'un an. Donc voilà, c'est un skin que j'aime beaucoup personnellement. C'est un skin un peu, comment dire, nostalgique parce que je suis dans la période où je suis arrivé moi sur Fortnite, donc il y a maintenant un an que je suis en train de jouer à ce jeu. Reverie qui est sorti à la Saint-Valentin cette année. 800 V-Bucks. On est bon là-dessus. Le petit revêtement du coup qui va avec le skin ninja robot un peu frelon, il s'appelle. Du coup, le revêtement n'est pas animé, mais il est plutôt joli. La couleur bleue, elle est plutôt
On dirait qu'il est pas animé, mais il brille en fait. En vrai, c'est stylé le vêtement en vrai. Il est pas très cher en plus, c'est 300 V-Bucks. On dirait qu'il voit, oui, qu'on voit quand les miroirs, les doubles miroirs là, qu'on voit, ça brille et tout. Ça pense un petit peu à ça. En vrai, il est pas mal. Le petit revêtement, il est pas très cher. Donc voilà, si ça fait un peu en couleur, un peu, vous savez, bronze. Bah, comme le cuivre, du coup. Qui s'appelle fond du cuivre de base, les skins. En vrai, le petit revêtement, il est plutôt sympa. La petite danse cœur de la Saint-Valentin de l'année dernière. De mille et deux temps de Saint-Valentin aujourd'hui. L'ancienne et la nouvelle. Ah, la prochaine nouvelle, la plus récente, quoi. Vous comprenez. Le danse là, mon dieu. Et la petite danse piétinante de retour en boutique pour 500 V-Bucks. Et ouais. C'est tout pour cette boutique de ce soir. Notez-la sur 10 dans l'espace commentaire. Dites-moi lequel des nouveaux de skins qui sortent en boutique et danse, etc. que vous aimez bien. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour de prochaines vidéos qui, du coup, sera la vidéo de boutique de demain soir. Et puis, si j'ai le temps, demain, il y aura peut-être une vidéo sur un autre jeu. Je vous dirai pas lequel, sinon c'est pas marrant. Il y aura aussi peut-être des petits gameplays de... que j'ai fait de... du mode créatif et tout. Moi je vous dis à demain, du coup, pour de prochaines vidéos. Profitez de ce week-end parce que c'est le week-end, c'est les vacances. Bref, profitez. Bonne game à ceux qui jouent actuellement. Moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao!